Les dauphins peuvent pêcher selon la méthode traditionnelle. Un poisson à la fois. Mais ceux-ci appartiennent au gang de l'île de Seabrook. Un extraordinaire groupe de grands dauphins. Ils forment une ligne pour profiter d'un buffet à volonté. Derrière ces sourires se cachent des chasseurs ingénieux. Lorsque la mer se retire, les bancs de mulets n'ont plus aucun endroit où se cacher. On assiste alors à un mini tsunami de dauphins, dont le comportement semble suicidaire. Cet étrange comportement est dicté par un génie pervers. L'endroit est idéal pour cette invasion de dauphins. Ces derniers écolocalisent les poissons. Ils peuvent les repérer sous l'eau à une distance de près de 100 mètres. Ils regroupent les mulets près du rivage. Se mettent en formation puis les attaques sous-marines se succèdent sans relâche. Ils foncent sur la plage, toujours sur leur droite. Pour une raison encore ignorée. Les mulets et les pélicans s'enfuient dans toutes les directions. Il s'agit de l'unique bande de dauphins ayant adopté cette technique de chasse parfaitement professionnelle. Pesant près de 200 kilos, ils risquent de s'échouer sur le sable et de mourir d'insolation. Ou simplement écrasés sous leur propre poids hors de l'eau. Mais le jeu en vaut la chandelle.